Les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo concernant le montage de la Ferrari 330 P4 de 1967. Alors, nouvelle vidéo et puis encore une vidéo sur la baignoire qui est, elle va se faire en trois étapes puisqu'il va y avoir les ceintures de sécurité après à faire. Donc là, on s'est quitté l'autre fois, on avait fait l'étape 2. On avait commencé à préparer cette baignoire et aujourd'hui, bien, on va finir l'étape 3. Alors, beaucoup de travail a été fait hors caméra. J'ai fait tout ce qui était peinture, décalcomanie et puis on va faire l'assemblage de tout ça ensemble. Donc, je vous montre un petit peu où j'en suis de ces peintures. Donc, le tableau de bord en lui-même est terminé. Voilà, donc j'ai juste fait quelques petites touches de peinture sur quelques boutons. C'est succinct sur les photos, n'importe comment, sur internet, on voit pas grand chose. Quoi qu'il arrive, c'est très succinct. Voilà, les tableaux les cadrans, donc j'ai passé du vernis dessus pour que ça brille, pour faire une illusion de vitre. Au niveau peinture, il a été peint donc en gris foncé, donc le fameux petit mélange que j'ai de chez Revell, le 302 et le 378, donc à raison de 50% chacun. Donc c'est un noir satiné mat mélangé à un gris foncé satiné. Voilà, ce qui donne, c'est à peu près la couleur d'un noir. Ah zut, je ne me rappelle plus le nom, le 9 de chez Revell, le numéro 9 de chez Revell. Je ne me rappelle plus le nom, ça me reviendra. Voilà, donc le tableau de bord. J'ai peint les contreportes. Voilà, donc couleur mat alu. Qu'est-ce qui me restait aussi? Le volant a été fait. Donc lui, noir satiné pour les trois branches et puis noir mat pour le pourtour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore hors caméra? Si j'arrive à prendre les pièces, parce qu'elles sont toutes petites. Voilà, cette petite pièce, donc le logement du levier de vitesse, donc peint en alu, mais dessus il va venir une pièce en photo découpe. Le petit levier de vitesse, donc lui, je finirai de le peindre au pinceau, parce que c'est trop petit, donc je finirai tout ça au pinceau, mais sinon je lui ai passé une petite couche de noir satiné. Et puis donc on a les triangles de roues avant, ici, qui ont reçu les pédales accélérateur, embrayage et frein. Alors elles nous étaient proposées comme ça, voilà, mais rappelez-vous, dans le unboxing, il y avait dans la boîte, une partie de photo découpe, donc j'ai pris les pédales en photo découpe que j'ai collé avant de peindre. Et donc là, ensemble, on va retirer une partie de la peinture. Voilà, donc elles sont en noir satiné. Et par contre, l'emplacement pour les pieds est en colorifère, enfin la couleur de la photo découpe. Sinon, on nous demandait de les peindre en alu. Hein. Donc c'est de la peinture acrylique, donc on va retirer ça avec de l'alcool à 70. Voilà, puis au pinceau, je suis venu mettre sur les triangles de la peinture alu. Tout simplement. Voilà, on va donc procéder au montage de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi hors caméra? J'avais complètement oublié de mettre les décalques de pneus sur les roues. Donc c'est chose faite, les décalques couleur or.
donc sur les deux roues avant, hein, qui sont terminées. Voilà. Et puis j'ai bien avancé sur la carrosserie aussi. Donc rappelez-vous, hein, tout le stock de mastic qu'il fallait mettre. Donc le dessous ici, c'est terminé. Il n'y a plus de traces. Tout est propre. Donc je vais remettre un dernier coup d'après pour finaliser tout ça. Mais normalement, c'est tout nickel. Derrière aussi, sur les deux petites pièces, là, ici et là, c'est nickel. On voit encore la trace du mastic, mais au toucher et puis avec l'après, donc théoriquement, on ne voit plus rien. Et il me reste les rétroviseurs à finir, à fignoler. Donc eux, c'est beaucoup plus long. Il faut vraiment que ce soit très propre parce que c'est sur le dessus de la carrosserie. Donc il faut vraiment plus aucune trace. Donc il me reste ces deux côtés un peu à finaliser avec le mastic. Donc à savoir, je vous avais dit lors d'une des vidéos de la Ferrari qu'il fallait que j'investisse dans du mastic. Donc j'ai investi, j'ai acheté du Milliput. Je ne m'en suis pas servi hein, pour la carrosserie. Et puis j'ai acheté le putty de chez AK. Et très sincèrement, il n'y a pas photo avec celui-là. Hein. Celui-là, pour faire les trucs grossiers, vous pouvez vous en servir. Par contre, pour les trucs fins, celui-là est au top. Voilà, donc j'ai pu d'ailleurs finir tout ça grâce au putty. Hein. Voilà, donc pour la carrosserie. Maintenant, on va procéder donc au montage de toutes ces pièces, notamment de quelques pièces en photo découpe qu'il y a à coller dessus. On va commencer d'ailleurs par ça. Donc je vais tout préparer et puis je vous reprends tout de suite après. Alors, toutes les petites pièces photo découpe ont été découpées. Je les ai limées pour retirer les petites bavures. C'est pas évident, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Hein, vous allez voir de vous-même. Donc on va coller ça à la cyano. Donc il y a une pièce pour le centre du volant. Un petit peu de loctite. On va essayer de le prendre à l'endroit. Ça va être le gros problème, c'est de le positionner bien comme il faut, parce que c'est tellement petit. Ah, dia. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Là, je galère un max. Je crois que j'ai réussi à le mettre comme il faut. Voilà ce que ça donne. Voilà pour un. Après, donc on a sur la grille de ventilation. Alors, je vais voir quand même. Ouais. Juste pour voir où est-ce qu'il fallait mettre la colle. On va essayer de la mettre dans le même sens que le dessin. Voilà, voilà.
deuxième. Et la troisième, c'est pour le levier de vitesse. Donc là, on va faire ça pour pouvoir tenir bien comme il faut le schisme. Alors, voilà. On va mettre la lortie. Ça dessus. On devrait être bien. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, maintenant, je vais coller le petit levier sur cette pièce-là. Et comme ça, je pourrai finir la mise en peinture de cette partie-là. Alors là, pour pas le casser, ça va pas être évident. Parce que là, je vous explique pas. Comme c'est tout fin et tout petit. C'est vraiment très petit. Voilà. On va essayer de ne pas le casser. Parce que là, c'est très très fin. Dans quel sens il faut le mettre? Levier comme ça. Donc là, il faut le mettre comme ça. Alors, espérons qu'il reste un petit peu de loctite. Non, pas assez pour le coller. Alors, on va y aller à la colle liquide. Voilà. Donc, je vais mettre tout de suite un petit peu de peinture dessus. Je vais faire ça hors caméra, ça ira beaucoup plus vite. Je pourrai y voir beaucoup mieux qu'avec la caméra devant. Je mets le petit coup de peinture et on fait l'assemblage final de tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, il reste une dernière petite préparation à faire avant de tout coller. C'est de retirer ce noir satiné de la troisième pédale. J'avais dit que je le ferais avec vous. Donc, par le biais de l'alcool à 70. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Ça va tout seul.
Voilà, faut juste venir frotter un petit peu en dessous. En dessous, sur la peinture. Et ça part tout seul, surtout sur de la photo découpe, hein, où là, il n'y a pas eu de... Comment dire? Il n'y a pas eu d'après, hein, de passer. C'est directement le noir satiné sur la photo découpe. Donc ça part encore mieux. Mais c'est pareil, quoi qu'il arrive. Si vous mettez en dessous une peinture énamel, le résultat est le même, ça part pareil. Aussi facilement. Par contre, sur la photo découpe, il faut appuyer doucement, hein, parce que c'est tellement fragile qu'on peut la plier et la casser à tout moment. Une dernière petite couche là. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Donc les trois pédales sont opérationnelles. On va pouvoir monter tout ça sur la baignoire. Les cotons-tiges à la poubelle. Le sopalin, on le retire. Ça va à la poubelle. Et puis on va regarder un petit peu l'ordre, puisque ils nous mettent un ordre chronologique de montage. Donc, on va monter C16. Donc ça, avec C14, ça c'est déjà fait. Le A9, il est où le A9? D'accord, donc on va monter ça. Ici. Donc, ben, il va falloir mettre un petit peu de colle liquide sur tout ça. Voilà, les pédales, ça fait vraiment très joli. Hein. Je sais pas si vous voyez au fond là. Ça a une autre gueule que. Bah, c'est la photo découpe. Hein. Que les pièces en plastique qu'on nous donne dans le kit. On referme ça avant de faire une boulette. Après, donc, on monte C1. C'est les pédales, c'est fait. Après, on monte A3. Avec A2, c'est fait. Je parle tout seul, vous inquiétez pas. On va mettre B5, on va mettre le volant là-dessus. Donc là, c'est pareil, un petit peu de colle liquide. Vous voyez un peu la boulette que je risque là? Je manipule la colle au-dessus de la baignoire. Je les cherche, les bêtises, hein. Voilà. On est bon. Après, B10. D'accord. Donc après, on peut monter ça là-dessus. Alors, ça va comment?
Ah, ça va là, comme ça. Et ouh. Oui, ça s'adapte pas trop bien, ça. Quel est le problème? Ça appuie là-dessus. Ça appuie sur le siège. Dia. Dia, dia, dia. Oh là là. Comment on va pouvoir faire ça? Voilà, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. J'essaie de trouver une petite solution. Ça s'adapte pas. Alors, comment on va pouvoir faire? Je vais regarder ça. Je retire la caméra pour mieux voir et je vous montre après. À tout de suite. Voilà les amis, alors la solution, ben, c'était ça. Voilà, couper un petit morceau des sièges, ici, vous voyez, pour que le tableau de bord puisse passer. Pas d'autre option. Ou alors, il fallait couper le tableau de bord, mais il fallait couper l'un ou l'autre. Voilà, vous voyez. Sinon, ça passait pas. Donc là, il y a un petit défaut d'ajustement. Donc si jamais vous faites ce kit, n'oubliez pas d'anticiper avant de peindre, de poncer un petit peu ou de retirer un petit peu de matière avant la peinture. Bon là, je viendrai avec un petit pinceau fin mettre un petit peu de peinture rouge dessus. Je ferai ça hors caméra. En attendant, on va coller le tableau de bord. Donc on a besoin de colle liquide. Voilà. Ouais, petit défaut d'ajustement, hein. Ah, ça arrive dans certaines maquettes, dans certains kits. Tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Et puis il nous reste. Ah zut! Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis bête. Allez. Si je ne mets pas le levier de vitesse maintenant, on ne le mettra plus. Pa, pa, pa. Vous voyez comme quoi on fait. On fait des boulettes sans arrêt. On n'arrête pas. On va venir mettre un peu de colle liquide. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le levier de vitesse. On va pouvoir remettre le tableau de bord. On est bon. Remettre de la colle, bien sûr. Voilà. Et il ne reste plus que les contreportes à mettre.
Alors, les contreportes, elles vont comme ça. Toc, 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 toc. Alors, elles vont, elles vont, elles vont. Toc, toc. Là-dessus. On voit pas grand chose hein, une fois les contreportes mises. C'est pour ça que l'extincteur, c'était pas la peine d'être aussi pointilleux pour le monter, pour le peindre, parce qu'on va pas voir grand chose. Allez, colle liquide. Voilà. Ouais, vous voyez l'extincteur, on n'y voit pas grand-chose. Les pédales, on ne va pas les voir non plus grand-chose. Mais bon, on sait qu'elles y sont. C'est le principal. Voilà les amis, l'étape 3 est donc terminée. Avec des petits déboires au niveau de l'ajustement du tableau de bord. Mais bon, ça fait partie de la règle du jeu. Étape 3 terminée. La prochaine étape, ce sera les ceintures de sécurité qui sont en photo découpe. Ici, là. Alors vous voyez, hein, j'ai complètement oublié de mettre les disques de frein en photo découpe sur les roues. J'avais complètement oublié à cette époque-là. Mais bon, c'est pas grave, on n'aurait pas vu grand-chose si on avait mis les disques ou pas les disques. Donc, je les garde. Ça me servira peut-être un jour pour un autre modèle. On verra ça plus tard. Voilà les amis, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce levé. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi un commentaire si vous avez ou des questions ou des conseils à me donner. Peu importe, je suis preneur de tout. Voilà, en attendant la suite de cette Ferrari, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci mille fois pour votre fidélité. Et puis je vous dis bye bye, à plus, ciao.